bon. Allez, on va prendre feu. Je vais enlever ma marque sur la carte parce que ça m'énerve. Hop là. Alors. Donc on va aller retrouver Kid. Le petit Kid. Ah mais si son chemin je tombe sur des trucs de ouf, je vais craquer. Rome. Bois. Alors toi t'as moi. Alors toi, 53 unités de bois. Je cherche même pas à comprendre. Ouais bah bien sûr qu'on l'aborde les potes. Et c'est parti. Et les gars, on va aller voir harpon. Moi je prends le canon. J'ai combien de munitions? 5. Encore deux coups. Hop là. Oh, y'en a un, il va à la gauche. J'ai pas. Je retombe. Alors, je récupère tout votre bois. Et je récupère tout votre bois, tout simplement. Voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et en plus, vous avez des barils explosifs, ce qui est plutôt pas mal. Parce que oui, les barils explosifs que vous jetez là en arrière ne sont pas illimités. C'est comme le mortier que j'aurai l'occasion d'acheter un petit peu plus tard. Et d'autres trucs. Enfin. Attendez, je vais faire ma carte pour voir un truc. Ok, c'est là. Alors. Est-ce que je m'attaque? Je crois qu'il y a une espèce de fort sur cette île. Est-ce que je m'attaque au fort? Parce que là, c'est dans une zone qui est interdite. Et en général, elle est tenue par un espèce de fort que l'on peut attaquer. C'est un petit peu comme les tours Borgia, enfin, pour grossièrement les définir. Et ça peut être assez cool. Putain, j'ai récupéré du tissu. Alors le tissu permet de, par exemple, si on veut changer l'esthétisme des voiles, si on veut... agrandir notre équipage. Oh, putain, j'avais pas vu. On va dire que j'ai été surpris. Alors. Putain, il y a plein de cargaisons ici. Oui, parce que des fois, les navires anglais et espagnols se font la guerre. Et donc moi, j'arrive derrière et je récupère toutes les cargaisons. Ce n'est pas pour me déplaire. Mais... Putain, le brouillard, par contre, c'est pas cool. C'est totalement aléatoire, la météo. Hein. C'est-à-dire que là, il y a du brouillard, mais par exemple, moi, je... Quand j'avais fait cette partie du jeu sur PS4, il n'y avait pas du tout de brouillard. Il faisait même super beau. J'ai eu très peu de mauvais temps. Et le brouillard, ça donne un effet, vous savez, un bateau pirate qui arrive dans le brouillard, ça fait un peu... Nous sommes méchants. Ouais, comme il court dans l'eau, c'est marrant avec ses bottes. Avec les bottes, il est mignon. Je vais aller me synchroniser. Ça a l'air d'être sur le chemin. Putain, il y a un coffre. En plus, j'ai récupéré des bombes fumigènes. Alors là, c'est très très bon pour moi. Alors, synchronisation, synchronisation. Oh, le brouillard est parti, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est barré. Alors, synchronisation, synchronisation, synchronisation. Hop. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Bon. Ah, ça y est, il commence à faire beau. Oh, il est beau mon bateau. Hein. Oh, la fin du jeu, il sera tellement... j'ai hâte d'y être. J'ai déjà hâte d'y être. Alors, synchronisation. Waouh. C'est beau. C'est beau. Moi j'aime bien. C'est sexy, c'est... Oui. Poum. Faut que j'arrête de regarder la télé-réalité. On
On dirait que t'as besoin d'aide pour te faire oublier, toi. Ouais, non, ferme-la par contre. Pas besoin de toi. Il me suffit juste de piller un bateau et de baisser mon niveau de recherche. En gros, je les libère et je leur dis ouais, vous m'avez pas vu, vous me connaissez pas. Oula, il y a une espèce de parchemin ici. Attendez, on va. Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais lâche-moi, t'as pas vu que je t'ai lâché là? Hop là. Je peux pas le noyer. Hop là. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un secret. Ah, un secret. Tu veux fausser compagnie bon, allez, on va à notre objectif. Alors, monsieur Kidd. Hé, hey, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais... Déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Hein. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu me cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordant de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent bon. Quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Ok, monsieur William Kidd. Bon. Oh, il a... Hop là. Bon. Donc il possède des dizaines de plantations. Putain, il doit être vachement riche. La production de rhum est quelque chose de très lucratif, mes amis. Continue ton chemin, tu ne m'as pas vu. Allez. Je peux pas monter dans un arbre quelque part là? Non, je peux pas. Est-ce qu'il va s'arrêter? Oups, je savais qu'il allait s'arrêter. Putain, je savais qu'il allait s'arrêter. Alors. Tu m'as pas vu. Beaufort, Manning, avec moi. Nous en avons fini ici. Hi, sir. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire. Ah, ça c'est cool ça. La récolte a été bonne. Hop, on met la petite cape-poche. Cape-poche. Allez, approche-toi de ton pote, approche-toi de ton pote. Hop là. Rejoignez la barre du Jackdo. Ok. Vite, 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 vite. Allez hop.
Bon, finalement, heureusement qu'il y a peut-être du brouillard. Allez, 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 il reste 20 secondes. Ouais, les gars, allez, c'est parti. Captain, tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. Déjà vu son gars. Oh oui. On peut rien te cacher, allez. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. On les revendra. Oh, regardez ce bateau. Un jour, je le surpasserai. Ton idée me plaît. Wow. Là, autant vous dire, j'attaque un truc comme ça, je me fais défoncer. Putain, je vois rien. Zone interdite. En gros, faut que je fasse attention vu que je suis en filature d'un bateau. Faut que je fasse gaffe au champ de vision des autres navires. T'inquiète, le butin à la dérive, il est pour moi. Donc là, je vais essayer de le suivre d'assez loin. Putain, heureusement, comme j'ai dit, qu'il y a du brouillard. Pour le coup, je sais pas s'il est scripté par contre ce brouillard-là ou pas. Mais pour le coup, ça m'aide. C'est bon, suivez le navire. Je vais passer derrière, derrière le navire là. Oh, tu m'as pas vu, tu me vois plus. Oh merde, j'ai été détecté. D'accord, je pensais que c'était bon, je pouvais le taper quoi. Bon, ok, ok, ok. J'ai fait le con. J'avoue. Attendez, j'ai été bête. Je vais attaquer le bateau. Ah oui, ne prenez pas part au combat. Une autre chanson, s'il vous plaît. Elle est bien celle-là, j'aime bien. C'est un navire bâtard, ça, un peu. Allez, allez. Attendez. Enfin, c'est sûr, si je mets la petite voile, il me sème, et si je mets la grande voile, ben... je le rattrape. Est-ce qu'on arrive bientôt? J'espère, parce que... j'ai envie de planter des... Je vais les taper. De tous les taper. Bon. Cet homme travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les vous dire. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? On y fait bouillir de l'eau? Ou autre chose? Je te canne. C'est pas facile de faire du sucre. C'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux pour sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus,
on le fait bouillir dans une marmite en cuivre. Pour séparer l'eau du sucre. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau, et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. Le vent est plutôt défavorable. Ah, il y a des mines ici. Il y a une tempête qui se prépare. Et comme vous avez vu, il y a des mines là. Ils protègent bien leur plantation. Ah, il y a une tempête. Heureusement, on arrive là parce que la tempête là, pour le coup. C'est risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le Jackdaw. Serrez toutes les voiles. Vivement, les gars, ok. Vers les voiles. Tout se passe bien pendant le premier quart. Hop là. Alors, atteinte vide, j'ai 40 secondes pour atteindre. Allez. C'est à 70 mètres. Ah, voilà. Qu'est-il passé ici? À quoi rime ce désordre? Une petite fête, monsieur, rien de plus, c'est l'anniversaire de Wilmington. Et vous en profitez Wilmington. Pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur, tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semble trop grand. Hein? Hein? Quoi? Hein? Attirer quoi? J'ai rien attiré. Saouler durant le service. Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'étaient pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. C'est bon, c'est fini l'écoute? Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil! Ok. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme si t'es à peine capable de tenir debout? Putain. J'ai envie de le tuer là. Ça m'énerve ces gens là. J'aimerais parler à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? Alors, qui détient la clé de l'entrepôt? Voilà, attendez. Lui, je vais le tuer. Pour être peinard. Oui, oui, tu m'as entendu. Allez, viens. Alors, qui détient... C'est lui?
C'est lui qui a la clé. Ok. Voler la clé. Ça va pas être simple. Ça va pas être difficile, je pense. Shit! Alarm! Alarm! You there! Interloper! Raise the alarm! Et merde! Ah, mais on peut saboter ces trucs! Voilà! Bon. Les autres n'ont pas l'air d'être en alerte. On croit peut-être que c'est un type qui a tiré sur un esclave. Peut-être. Hop. Et toi, boule la clé. Hop là! Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau à aller récupérer? 20 bois, 35 métal, 35 tissus, 20 rhum, 25 sucres! Mais attends, mais je vais directement aller piller les plantations! C'est plus lucratif! Et puis un petit peu de tout! Prenez pas part au combat. Oui, parce que je n'ai pas combattu. J'ai juste, comment dire, tiré sur un type et assassiné l'autre, qui ne voulait pas prendre part au combat. Attends, on va faire un truc. Viens, 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 viens. Et c'est trop cool. Attendez, j'ai un point par là. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? D'autres trésors. Partition. Donc je disais, partition. Et sinon, attendez que je regarde la map. Le point d'exclamation, il est où? Mais il est même pas sur l'île! Faut que je retourne au Jackdo. Hop, alors on récupère juste le coffre. Ah, statuette en bois, chaîne en or, que le mat est coulé. Wouah, il a la glissade, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Attends, je vais refaire pour voir. Stylé. Hop. C'est parti. Mon kiki. You're ready, run, run, run. Attendez, sur mon Vélix car il pleut. Ra-na-na-na-na-na. Voilà. Ça a pas l'air très loin en plus ce pont, donc ça c'est cool. Il y a toujours du brouillard. Et ça, ça m'embête. Ah, c'est bon, j'arrive sur l'île. C'était pas très loin en effet.
Hop là! Ah non, c'est pas par-dessus bord, c'est moi qui choisis du faire tir.